Bonjour Eliane de mon blog Anti-Cancer pour une recette de rillettes de maquereau sur rondelles de radis noir pour la lettre R de mon alphabet culinaire. Donc j'avais demandé à mon poissonnier de me préparer deux maquereaux, de me lever les filets parce que d'abord c'est plus facile, il y a moins d'arêtes à enlever. Ensuite je les ai fait cuire à la vapeur dans mon cuit-vapeur pendant une quinzaine de minutes avec une préparation pour poisson. J'ai retiré la peau, j'ai retiré les arêtes que j'ai trouvées et j'ai émietté mes quatre filets de maquereau. Je vais donc verser mes quatre filets dans un petit plat. Je vais rajouter de l'huile d'olive. Voilà. Une cuillère de moutarde à l'ancienne. Deux bonnes cuillères de fromage blanc de brebis. Ensuite, j'ai préparé mon échalote que j'ai bien émincée. Et voilà. J'ai préparé aussi de la coriandre bien coupée. Un demi-jus de citron. Voilà, j'ai tout versé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à bien mélanger cette préparation pour obtenir une bonne consistance et puis un mélange de tous les ingrédients pour que mes rillettes soient bien parfumées. Alors j'ai préparé aussi des algues, hein, un mélange d'algues que j'aime bien utiliser. Voilà pour cette recette. Je ne sale pas trop, mais je ne poivre pas trop, mais on peut tout simplement décider de bien relever. On peut même rajouter un petit filet d'alcool. Bon, ce qui est bien, c'est ensuite de les mettre, mettre cette préparation un petit peu au réfrigérateur avant de préparer et disposer les toasts. Alors, moi j'ai choisi pour la lettre R tout simplement des rondelles de radis parce que je trouve ça intéressant d'utiliser aussi le radis noir comme toast. Alors, on peut utiliser des rondelles de courgettes aussi et puis tout simplement du pain, hein, comme toast. Hein, il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, il suffit de disposer un petit peu de la préparation sur la rondelle. Voilà. De décorer, moi j'ai choisi un petit radis rose. De le disposer dans une jolie assiette et puis on en fait un petit peu pour un apéritif entre amis. C'est sympathique comme préparation. Alors on peut aussi faire le choix de verrine, hein, d'une préparation tout simplement en verrine et pas automatiquement sur une des rondelles comme moi j'ai choisi, rondelles de radis. Alors moi j'en ai dégusté cet été sur des rondelles de courgettes. C'est excellent. Évidemment, tous les ingrédients qu'on a à l'intérieur, on peut les varier, mais une base, bon, au lieu d'un fromage blanc, on peut utiliser de la crème fraîche. Voilà. Ensuite, on peut rajouter une petite goutte d'alcool si on aime. On peut rajouter du curcuma, des épices un petit peu plus colorées.
Voilà, j'ai une très jolie disposition pour un apéritif entre amis avec cette recette de rillettes de poisson. Alors, n'oubliez pas de télécharger mon e-book sur mon blog Anti-Cancer pour recevoir mon actualité ou bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour découvrir régulièrement toutes mes vidéos. Bon appétit! C'est excellent. Alors, en apéritif, alors si vous faites attention à votre régime alimentaire, eh ben, un petit jus de citron à l'eau comme apéritif ou un jus de fruits ou jus de légumes. Et vos toasts à base de rillettes de poisson sur radis noir. C'est une excellente façon de déguster le radis noir. À très bientôt!